Je sais pas si tu te souviens, mais on a échangé des vœux. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Tiens, tu veux bien me donner un coup de main ? J'arrive. Super. En fait, même si tu penses agir dans le but de me protéger, en aucun cas ça te donne le droit de me garder en car. Quel que soit le problème, tu es censé m'en parler pour qu'on essaie de trouver une solution. Tous les deux. En équipe. Je sais très bien. Non, vraiment, c'est juste que... Tu sais quoi ? Il faut qu'on reste concentré. On reparlera de tout ça plus tard. Prochain arrêt, New Level. Ça devrait être de l'autre côté du pont. Accroche-toi bien. Bah tant pis pour la voiture. C'est ça. Allez. C'était pas pour te protéger, tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. T'étais pas tout seul? Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que... je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Peur de te perdre. Je crois bien que j'essayais de me protéger. Tu comprends? On a encore pas mal de chemin à faire. Ouais. Il faut avancer. Ouais. Par ici.
Ben au moins, on est du bon côté de la rivière. C'est sûr. Ça aurait compliqué les choses. Ça glisse. Allez, on va essayer. On peut revenir y passer quelques jours, un de ces quatre. Ouais, pourquoi pas. Eh ben, tu prends l'air tout seul? Que ton âme repose en paix, ami pirate. Oula. À en juger par leurs vêtements, c'est des colons. Est-ce qu'ils se sont battus? J'ai pas l'impression. Regarde comment ils sont disposés. Ouais, t'as raison. Ils sont empilés, ou simplement poussés contre les murs. Ils étaient déjà morts quand on les a amenés ici. Je crois que c'est une fosse commune. Bonjour. Qui ça peut bien être? Ben, regarde le panneau. Traître, c'est l'un des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. En voilà un deuxième. Désolé, je voulais pas te manquer de respect. Juste besoin d'un coup de main. Ces trucs ont l'air super instables. Il le sent. Sois prudente. Désolé de te déranger, vieux. Excuse-moi. Bienvenue dans le quartier d'Avry. C'est un bel endroit. Si on exclut les légers problèmes de façade et les dégâts des eaux. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci avec l'évacuation.
Une belle opportunité, mais avec des travaux à prévoir. Alors, voyons voir. Apparemment, quelqu'un a fait sauter le barrage et tout s'est retrouvé inondé. Tu sais, j'avais oublié. T'es doué à ce jeu-là. Bon, alors d'après toi, laquelle est celle d'Avery ? Bah, je miserai tout sur celle-là. Celle qui est encore intacte. Oh. Toi aussi, t'es doué à ce jeu-là ? Ah ouais, tu sais, j'étais sur le terrain, j'ai lu quelques bouquins. Merde, Ned ! Quoi ? Quoi ? La porte d'entrée. Sam. Il est encore en vie. Ouais, pour l'instant. Allez, viens. Fais gaffe, au cas où des gars de Shoreline se pointeraient. Ouais. Bon, je tente le coup. Tout va bien ? Ouais. Par là, attention à la tête. Un dragon, c'est la maison de Christopher Condant. Merde, Shoreline, Elena, baisse-toi. Je les vois. J'ai pas pu imaginer.
t'en sortiras pas aussi facilement, mec. Essaie de me voir. On t'attend. Je t'attends. Mener sur une fausse piste. Pourquoi ils n'ont pas encore abattu ce petit enfoiré? J'imagine que Raif a ses raisons. C'est bon, ça va? Ouais. Perdons pas de temps. On doit pouvoir la traverser. Ça mérite d'y jeter un œil. Thank you.
Ooh.